Je pense qu'on assiste à une guerre du discours. Les chrétiens ne s'intéressent pas à la vérité, ils veulent imposer leur vérité, comme on impose son occupation à un territoire. Donc les chrétiens ont occupé le territoire judaïque, et ils pensent qu'ils ont le droit de décider n'importe quoi, et s'approprier n'importe quoi. Donc on est dans une mentalité de guerre, tout simplement. Comme on dit, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc, ils ont envie de dire les choses d'une certaine manière, ben ils le disent d'une certaine manière. Ils ont exactement là. C'est comme une mentalité d'occupant. Puisqu'on est là, on occupe, et bien on fait les choses comme on veut, on fait les choses comme on veut, il n'y a pas de problème. C'est une démarche qui épistémologiquement est insupportable, mais qui finalement fait partie de la réalité de l'histoire, de la science historique, qui veut présenter les choses comme elle, selon le parti politique auquel elle appartient. L'histoire est une science partisane, disons.